10 minutes pour travailler son cardio et maigrir rapidement. C'est ici à faire à la maison, c'est sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Et si vous ne me connaissez pas, salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, du cardio 10 minutes. Que vous soyez sportif, sédentaire, on s'en fout, ok? Tout le monde peut faire cette séance. Vous allez voir, c'est simple, c'est facile à suivre. Il faut mettre des baskets et il faut avoir une petite bouteille d'eau à côté de soi. Ok, on va faire les mouvements ensemble et ça va super bien se passer. Si vous voulez maigrir, vous prendre en charge, enfin, sans régime, je vous invite à aller cliquer dans la description pour télécharger mes 10 conseils gratuits pour être top physiquement. Vous cliquez dessus, vous allez les recevoir par mail, vous commencez à les suivre. Ce sont des nouvelles habitudes qui vont vous aider à vous sentir plus en forme, être en meilleure santé et avoir envie de faire du sport et de bien manger. D'accord ? Donc c'est très important. Ce sont des conseils qui sont simples mais qu'on ne pense pas toujours à faire. Donc je vous invite à les suivre. Ok ? C'est parti ? Donc là, vous faites comme moi. Ça va bien se passer. Venez, 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 venez. Ça va bien se passer. Voilà, écartez les pieds, plus large que les épaules, pointe de pied vers l'extérieur, vous grandissez. Expirez, voilà, vous inspirez, hop là. Expirez, relâchez, enroulez vos épaules et on démarre, on plie, on tend. Voilà, pointe de pied vers l'extérieur, genou vers l'extérieur, ventre rentré. Les tétons vers le ciel, qui disait oui à la vie. Hop, les épaules vers l'arrière et on respire. Allez, allez, continuez ça, je vais mettre le chrono en route parce que je ne l'ai pas mis. On a dit 10 minutes. Je ne vais pas vous arnaquer, je ne vais pas faire 30 minutes. Mais vous allez me dire, Jess, là, les 10 minutes se sont passées, non ? Ben, je démarre, mais après je ne m'arrête plus. Voilà ! Bon, je ne me suis pas présentée, donc je m'appelle Jessica, j'ai 39 ans. J'ai 3 enfants, j'ai des petites jumelles qui ont 2 ans et demi. J'ai perdu 22 kilos, 2 fois, pour mes 2 grossesses. Allez, venez sur le côté, on continue de papoter par là. Et puis voilà, c'est mon métier d'être coach sportive et de vous faire aimer le sport. Je suis là pour vous faire aimer le sport, aimer à bien manger pour être en bonne santé et avoir de bonnes habitudes pour que vous puissiez vivre longtemps. Voilà, c'est ça que j'aime faire. C'est ça que je fais sur la chaîne YouTube Move Your Fit avec Alex aussi, qui fait plein de vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne hein, si vous n'êtes pas abonné. On fait des vidéos d'entraînement toutes les semaines. Hop là, vous avez vu ? Quelle rapidité d'exécution! Alors, je ne vous demande pas d'aller aussi vite et je vous demande pas d'être synchro entre les pieds et les jambes. Vous pouvez aller lentement, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien à l'écoute de votre corps, que vous puissiez respirer en étant un petit peu essoufflé, mais pas trop non plus. Hein, faut que vous sentiez que vous contrôlez le mouvement, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Très bien, allez, on vient monter ici les genoux. On monte les genoux. Hop, et on va tirer vers le ciel. Attrape le ciel, attrape les étoiles, mène-les jusqu'à toi. Oh, c'est beau. Ah, je me sens poète. Pff, on attrape les étoiles, on tire, on les met dans la poche. Attrape les étoiles, mets-les dans la poche. Ça peut servir, on ne sait jamais, en cas de panne d'électricité, pour vous éclairer. Très, très bien, ça va ça? Ok, alors on change un peu. Hop, on va faire un coup de pied comme ça. Coup de pied devant, coup de pied devant. Coup de pied devant. Ah, ça pèse lourd la jambe. Bah oui, bah oui, il faudrait faire du sport un peu plus souvent. Mais vous savez ça, c'est très bien. Je vous félicite d'être parmi nous. Ça fait trop plaisir que vous puissiez bouger un peu. Mais il n'est pas trop tard, mais non. Venez, on change. Hop, regardez la jambe. Oh, la bouge dans tous les sens. Un coup devant, un coup sur le côté, un coup derrière. Bah, elle va finir par s'envoler. On y va sur le côté. Hop, hop. Très bien. Ok, on fixe les pieds au sol, hop, largeur épaule, squat, on descend les fesses à l'arrière. Ouh là là, j'ai des courbatures. Oh, j'ai des courbatures, j'ai porté quelques charges hier. Oh bah d'hier, hein, mal aux fesses, hein. Très bien, continuez ça, hein, en bas, je vais changer de côté, ouais. Bah, pour que vous puissiez bien me voir, parce que le soleil, il est là-bas. Voilà, on descend, on remonte. Là, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir les pieds bien à plat. Vous avez vu, les talons, ils ne se décollent pas. On penche bien les fesses vers l'arrière. Comme si on allait s'asseoir au... si vous me connaissez un petit peu, aux toilettes, c'est ça. On va s'asseoir comme ça aux toilettes. Et bien, c'est pareil. Et pour le squat, c'est pareil. Très, très bien. On descend, on remonte. Inspire, expire. Ça fait du bien de faire du sport. Hein, voilà, ben, des squats comme ça, on va faire 3 petits en bas. 1, 2, 3, on remonte. 1, 2,
3, on remonte. Encore. 2, 3, en haut. Encore. 1, 2, 3, super. 1, 2, hop, dernière fois comme ça. Ok, revenez face à moi ici. On fait des grands pas. Des grands pas. Le pied, il tape à côté de l'autre et il repart. Hop, hop, hop. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de saut. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir dit. Il n'y aura pas de saut dans cette séance. C'est totalement sans saut. Bah oui, parce qu'on peut maigrir, se transformer définitivement sans faire aucun saut. Tout à fait. Tout à fait. On en a qui ont fait notre programme T12S, transformation 12 semaines. C'est notre programme perte de poids santé. Ils ont perdu 40-50 kilos sans faire aucun saut. Aucun. Manger sainement, se bouger tous les jours avec nous. 50 kilos en moins. Allez, ciao, bye bye la vie d'avant. Je peux vous dire, ça change la vie. Allez, on tape le pied derrière maintenant. Derrière, derrière. Voilà, on va aller un peu plus lentement parce qu'on va agrandir le mouvement et on va faire autre chose aussi. Voilà, vous allez mettre la main ici sur le au-dessus du genou parce qu'on va aller toucher la main au sol. Touche la main au sol. Mets le pied derrière à chaque fois, au sol et en haut, au sol. Vous n'arrivez pas à toucher la main au sol parce que c'est trop loin ou ça vous fait mal au dos. Eh bien, vous touchez la jambe, touchez le tibia. Voilà, sous le genou. Si c'est trop dur, on va toucher sous le genou. Très bien. Hop. Et à chaque fois que vous repassez au milieu, on se redresse. Et restez pas en bas à passer la balayette. Là, 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 là. À chaque fois, il faut se redresser quand on revient au milieu. Bah oui, vous allez me dire, ah bah, c'est plus pratique. Ah bah, eh oui, mais bon, on ramasse pas la poussière là. On fait du sport, donc il faut se redresser à chaque fois. C'est l'exercice qui est comme ça. Voilà. Oui, je sais, vous avez l'impression que je sors de l'écran et que je vous vois. Ben, je vous vois. Je vous jure, je vous vois. On y va. Elle commence à me faire peur, la dame. Encore, encore, encore. Hop. 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 Et on reste en haut. En haut. Tape la pointe de pied. Hop. Monte le bras. Le bras. Le bras. Rentre le ventre. Rentre le ventre. Monte le bras. C'est pas facile à dire, hein. Rentre le ventre, monte le bras. Je vous invite à essayer de parler comme ça en faisant du sport. C'est pas facile, hein. Hop. Allez, les deux bras pour la peine. Les deux bras. Hop. Vous savez quoi, on bouge plus les pieds. On bouge que le haut. Et là, je vais vous demander de rentrer les fesses. Pas les fesses en arrière, rentrez les fesses. Rentrez, voilà, là on les voit plus. Genoux vers l'avant, on les voit plus. On va sur le côté. Voilà, hop, là vous travaillez les abdominaux, vous travaillez les obliques. Expirez, expirez, expirez. Vous sentez? Vous devez sentir les abdominaux, même si vous avez le gras qui vous gêne. Arrêtez d'y penser. Focus, ne faut pas faire un focus là-dessus. Ça nous gêne, certes, c'est vrai, on voudrait que ça s'en aille. On fait les actions pour, mais voilà, c'est votre corps pour l'instant. Sachez qu'en dessous, il y a du muscle, et ce muscle, il vous sert à brûler des calories, il vous sert à la dégager cette graisse. Donc il faut se muscler. On y va. Hop, 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 hop. Super. Allez, on revient avec les jambes. Hop, hop, hop. Et on relâche les jambes. Hop. Et on monte la jambe sur le côté, comme tout à l'heure. Super. Très bien. Vous assurez. Et devant. Et les coups de pied. Hop. Ouh là là. On y va, coup de pied, coup de pied. Très très bien. Encore. Hop. Respirez. Respire. C'est bien ce que vous faites. Vous allez me dire je vais trop vite. Ben, allez moins vite. Ben, je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas savoir. Si vous allez aller plus vite que moi, plus lentement que moi, beaucoup plus. Je sais pas. Je vous propose les mouvements, vous disposez à la maison. Ok, on fait des grands pas sur le côté. Step, touch. Ouais. Si vous êtes déjà allé en salle de fitness. Vous avez déjà entendu step touch. C'est ça, step, touche, un pas, tu touches. Voilà. Et ici, hop, on rajoute des bras. Hop, hop, hop. On ouvre. Et on s'envole. Je vole. Et on peut aller très vite. Et on peut aller moins vite. C'est vous qui choisissez. Ça va ça? Ok, regardez, on a pris le tapis, pas pour rien. On se met au sol.
Allez-y, on va poser les genoux. Posez les genoux. Prenez le temps. Ça va? Ok. On va écarter les mains. On va faire une petite série de pompes. Rentrez les fesses là, hop. Allez, c'est parti, une petite série de pompes. On fait ce qu'on peut, d'accord? Voilà, si vous voulez les faire sur les pieds parce que vous êtes habitué à faire du sport avec moi, allez-y. Sinon, hop, on est sur les genoux, on descend, on inspire, on expire en montant. Vous allez me dire, ah ben ça a l'air facile avec toi, mais en fait je rame, c'est dur. Alors si c'est trop dur, vous rapprochez les genoux vers vous, mais vous descendez toujours la poitrine et le nez vers le sol, d'accord? Donc on a un peu plus les fesses en l'air. Allez-y, encore un petit peu, bah oui, bah oui. Ok, on reste en haut, c'est bien, c'est bien. C'est pas fini, hein? Allez, on se met sur les coudes. Mais ouais, regarde, on va lever les pieds comme ça, on reste en planche. C'est tout. Ça va, ça? Ah, ça va. Et c'est bientôt fini, les 10 minutes, hein. Vous abandonnez pas maintenant. Non, 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 on va jusqu'au bout. Rentrez-moi ces fesses, là. Et il faut pas baisser comme ça, vous faites mal au dos. Voilà. On rentre bien les fesses. Très, très bien. Ok, allez, pose les genoux. On se redresse. Allez, on se remet sur les pieds. Très bien. On se remet sur les genoux. Encore une fois. Sur les pieds. Sur les genoux. Descends le genou. Voilà. Sur les pieds. J'hésite en fait. Je ne sais plus si je dois faire un mouvement au sol ou debout. Faites avec moi. C'est ça le mouvement en fait. Ah, je sais, c'est super dur. Alors, si vous avez pas mal de poids à perdre, celui-ci est très très dur. Je me souviens quand j'avais mes 22 kilos à perdre. Je venais d'accoucher il n'y a pas si longtemps. Celui-ci, pour moi, c'était le bout du monde. Mais le bout du monde. Alors, je vous comprends. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, je sais que celui-ci, il est vraiment dur. Mais celui-ci, vous êtes vraiment à acquérir de la force. Ok? Allez. 10 minutes sont passées. Bravo. Restez là. Inspirez, grandissez. Il faut faire d'autres séances comme ça avec nous sur YouTube Move Your Fit. Ok? Ça vous fait du bien. Vous ne voyez pas le temps passer. Vous allez progresser. Un petit peu comme ça tous les jours. D'accord? Un petit peu comme ça tous les jours et vous allez voir que cette année, vous allez vous surprendre vous-même à cramer du gras, retrouver la santé facilement à la maison avec nous. Prenez soin de vous, pensez à bien vous hydrater, je vous dis à très vite. Salut, salut!